Ici Gianna, conférencière et enseignante. J'ai souvent le privilège de faire des entrevues et de recevoir des personnalités avec un parcours inspirant de par leur vision, de par leur bien-être ou de par leur vécu. Et je vous les présente dans des petites entrevues inspiration. Aujourd'hui, je fais une entrevue avec une décoratrice et un designer depuis 25 ans. Elle a collaboré à l'émission Les Saisons de Claudine pendant 6 ans. Elle a été chroniqueuse aussi à TVA et à Canal Vie. Elle a créé Brico Déco, ses cahiers. Et elle a créé sa maison de production, l'émission Manon, tu m'inspires. Et en 2018, elle a créé sa collection de murales et de papier peint. Donc, je m'en vais faire une entrevue avec Manon Leblanc. Manon, oui, bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue. C'est l'entrevue Inspiration dans le but d'inspirer les femmes qui vont regarder la vidéo et peut-être les inspirer à pousser un peu, à avoir du courage. Puis tu es une femme inspirante. Moi, je suis à la recherche des femmes qui peuvent nous inspirer pour pousser. De savoir les femmes qui ont réussi, oui. Est-ce qu'ils ont eu une enfance facile ou pas nécessairement? Ben, en fait, moi, j'ai eu des bons parents présents. Tu sais, j'ai pas eu mes parents pouvaient nous donner à manger, nous faire voyager. Tu sais, on avait pas mal de facilité dans ce sens-là, des parents aimants et tout. Par contre, la différence, c'est que mes parents me donnaient presque pas. Tu sais, ils m'achetaient des vêtements pour aller à l'école. L'éducation était primordiale pour eux, les bonnes valeurs et tout. Mais côté argent, là, puis vêtements, il fallait que je travaille. Je manquerais de rien, mais le nécessaire. Okay. Donc, si je voulais avoir des vêtements superflus ou n'importe quoi, autre que mes études, parce que ça, c'était correct, ben, il fallait que je travaille. Donc, à 13 ans, j'étais déjà à 5 pieds 8, j'étais allée faire application, j'étais toute timide dans une boutique de vêtements de sport, puis j'avais menti, j'avais dit que j'avais 16 ans. J'ai 16 ans. Et puis, ils ont dit, donc, tu peux travailler à la caisse? J'ai dit, oui, je peux m'occuper de la caisse, des ventes. Oh, mon Dieu. Et là, j'étais nerveuse. Et puis, je me rappelle les premières transactions. Tu sais, les gens achetaient des vêtements. C'est une boutique de sport, de vêtements de sportifs. Puis, ça a été ma première expérience au travail. Puis, je t'avoue que j'étais un peu jeune, mais c'est comme ça que je me suis formée. Après, je suis allée travailler à 14, 15, 16 ans. J'ai toujours eu des emplois d'été. Et puis, c'est ce qui me permettait de m'acheter des petits luxes. Et je pense que ça, cette façon-là, moi, je trouvais ça dur au début. Mais franchement, ça m'a donné du courage, ça m'a donné beaucoup de caractère, ça m'a donné beaucoup de détermination. J'ai jamais pensé que tout était gratuit pour moi. Jamais, jamais. Ça m'a même jamais passé par l'idée parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Fait que oui, je pense que de pas trop non plus gâter les enfants. Là, je dis ça, mais moi, j'ai gâté pas mal mes enfants, mais j'ai essayé de leur donner des bonnes valeurs, de leur apprendre que l'argent, c'était correct, là, mais je veux dire, c'est pas un motif de vie, c'est pas ça les valeurs principales. Puis on les a reçues de nos parents, ces bonnes valeurs-là, mais j'ai pas été un enfant choyé monétairement. Je me débrouille. Je suis contente. Je t'avoue que sur le coup, quand j'étais jeune, je voyais mes amis arriver à l'école avec des vêtements différents, tu sais, les petites filles. Moi, j'avais pas ça. J'avais comme quatre ensembles, quatre kits que je pouvais mélanger pour la saison. Là, ben, je me disais, ouais, ben, c'est ça, pour m'acheter des petites choses. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi ce métier-là? Est-ce que depuis que tu étais jeune, tu disais que c'est ce que je voulais être décoratrice? En fait, j'avais la fibre artistique. Donc, dès que j'avais à peu près 5 ans, ma mère a remarqué, moi je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais des dessins, j'étais intéressée par le tricot à l'époque. Après ça, j'ai commencé à faire de la sculpture. Et puis après ça, je bricolais beaucoup à l'école. En dessin, je me démarquais, fait que ça me donnait de l'assurance, c'était mon talent. Là. Et puis après, ben, je me suis mise à faire de la peinture, je suis allée en art, parce que c'est là que je brillais. J'avais eu la chance d'avoir cette facilité-là et j'adorais ça. Et j'étais très timide. Donc, je pouvais... Tu sais, quand on trouve un talent, on a de la chance parce qu'on peut finalement au moins exploiter ça. Puis j'allais là-dedans. Puis, mais pour être décoratrice, j'avais vraiment une... En fait, j'aimais tellement ça, je trouvais ça tellement beau ce que les designers faisaient que pour moi, c'était presque inaccessible. Je voyais ça comme un autre monde. Je me disais, oh mon Dieu, les gens qui font ça sont extraordinaires. Mais quand j'y suis arrivée, je te dis, j'ai pris par insécurité,
parce que j'étais insécure. Je pensais pas que j'étais capable de le faire. C'est fou. Puis quand j'y suis arrivée doucement, puis là, ben, je suis complètement là-dedans. Mais je me sers beaucoup de mon côté créatif et de mon passé. Mais est-ce qu'on peut dire que même si on se sent insécure, c'est bon quand même de... Je l'ai dépassé. C'est ça, de le dépasser, de foncer et de le faire. Je l'ai fait, tu vois. C'est un modèle. Non, mais je l'ai fait, puis je suis partie là, de rien, puis je l'ai fait. J'ai comme été comme ça, puis j'ai réussi. Puis là, voyez-vous, je l'ai pas juste réussi, j'ai bien réussi. Mais oui. Donc, mon rêve était haut, puis j'y ai réussi. On peut dire aux femmes de ne pas vraiment avoir peur de foncer, même si on a une petite peur de vraiment... Non, c'est ça. Quand on fonce, des fois, il va un petit pas par petit pas, parce qu'on est plus peureuse un peu. On dit, mais on l'essaie. Il faut essayer le pas, parce qu'il faut vaincre. C'est ça. Tu sais, c'est comme quand on a peur, une phobie, je sais pas, moi, souvent, c'est... Je dis, moi, des fois, que d'avoir peur, c'est parce qu'on connaît pas. C'est l'inconnu qui nous fait peur. Mais dès qu'on prend connaissance de l'inconnu, on se dit, ben, c'est pas si mal. Je peux continuer, je peux faire un autre pas. Mm-hmm. Tu sais, je suis un peu comme ça dans plusieurs choses, je pense. Et est-ce que tu as eu des ressources, mettons, que quand tu as commencé, mais là maintenant c'est un peu différent, est-ce qu'il y a des ressources que tu aurais aimé avoir avant de commencer ou pendant que tu commençais ta carrière, qu'on a en ce moment puis que tu n'as pas eu peut-être? Ben, j'aurais aimé, oui, avoir, peut-être, là, que j'y pense. Je trouve que maintenant, par rapport à ce que moi je fais, il y a des écoles qui préparent mieux ces carrières-là. Moi, à l'époque, il n'y en avait presque rien. Donc, j'ai pris des cours de dessin technique, je suis allée suivre des stages chez différents spécialistes. Moi, j'avais, en art, je m'étais servie de ça, mais il a fallu quand même que je me forme par petits segments. Ça, j'aurais aimé peut-être avoir un... Mais en même temps, je l'ai fait à mon goût. Mais ce que je trouve, par contre, c'est que le côté entrepreneur, bien ça, moi, je l'avais dans moi. Mm-hmm. Puis, par contre, j'avais plein d'idées, puis j'avais pas peur de les proposer. Donc, ça... Tu sais, ça m'a sauvée, parce qu'à force de parler de mes idées, il y a toujours eu un preneur. Des gens disaient non, c'est pas grave, il y avait quelqu'un qui disait oui, puis là, on le faisait ensemble, puis là, ça me faisait reconnaître, puis là, d'une chose à l'autre, j'y arrivais. Mais oui, peut-être j'aurais aimé avoir une espèce de coach, justement, mais c'est pas grave, je suis arrivée quand même. Puis je pense qu'avec la détermination, il faut juste croire en notre affaire. Tu sais, on se dit, j'ai une vision, là, mon focus... Il est là, puis je le perds pas. Tu sais, même si en chemin, il y a des... Oui, il y a des échecs, c'est pas grave, on continue, puis on trouve finalement le... Mais en fait, l'acharnement non plus, c'est pas bon. Faut pas non plus s'acharner sur un truc qui ne pas. Dans le fond, si tu continues de t'attacher, ça fonctionne pas, il faut peut-être penser de peut-être changer. Le modifier. Ou le modifier. Tu sais, des fois, moi, mon projet, par exemple, d'être designer intérieur, ça fonctionnait. Parce que... Parce que ça fonctionnait, parce que d'une chose à l'autre, bon, tu sais, je me épanouissais, puis ça plaisait aux gens. Mm-hmm. Donc, ça, tu sais, tout ça, le retour de ce que les gens disaient, oh, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça m'encourageait à continuer. C'est ça que j'ai eu beaucoup de ça, par contre. Mais pour arriver, par exemple, à un projet X, disais, je veux faire cette pièce-là, ça ne marchait pas nécessairement du premier coup. Des fois, je disais, non, je ne l'ai pas. Elle n'est pas tout à fait correcte. Je continuais jusqu'à temps que j'atteigne ma perfection. Donc, je ne lâchais pas prise si je n'étais pas complètement satisfaite. Par contre, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai dit, je vais ouvrir une boutique, je ne sais pas, on a toujours des idées, mais ce n'est pas toujours la meilleure idée. Et là, des fois, je dis, OK, quand j'ai une idée maintenant, une idée, disons que j'ai une idée, un après-midi, je te parle, puis je dis, oui, ce serait le fun de partir une boutique déco, restaurant, n'importe quoi. Mm-hmm. Maintenant, ce que je fais avec ma sagesse, c'est que je dors là-dessus. Moi, même si je suis très heureuse quand je t'en parle, je dors là-dessus puis je réfléchis. Parce que je me dis, c'est vrai que la nuit porte conseil, puis le lendemain, j'ai une idée un peu différente. Je vais y penser un peu. Maintenant, j'ai appris à réfléchir un peu plus à mes impulsivités. Et puis des fois, je lâche, puis je m'informe, je fais mes devoirs, je dis que finalement, c'est peut-être pas le bon projet ou peut-être pas au bon endroit. Donc, je n'aimerais pas m'acharner sur un projet que, après l'avoir analysé, je vais penser qu'il n'est peut-être pas le meilleur. Mais c'est juste ça qui est la sagesse, je pense, c'est d'essayer d'être moins impulsive dans mon cas. C'est tout. Il ne faut jamais lâcher parce que moi, j'ai appris. Moi, j'avais des mentors ou j'avais des gens qui me conseillaient. Parce que quand j'étais jeune, j'avais une petite entreprise qui marchait fort. Je faisais des décors de restaurants et tout. Puis j'avais des gens plus âgés qui venaient juste pour le fun nous voir parce qu'ils trouvaient ça motivant. Puis il y avait un homme à succès qui m'avait dit, tu sais, Manon,
si tu veux garder ta clientèle et tu veux toujours qu'elle te soit fidèle, c'est un anglais, il m'avait dit « walk the extra mile ». Puis j'ai toujours fait le extra mile, puis ça fait la différence. Tu sais, si j'avais une commande de quelque chose, je la faisais comme le client me l'avait demandé, mais je donnais un peu plus. Un peu plus. Juste okay. Un peu plus. Je disais, tiens, je te donne ça comme ça, puis j'ai pensé peut-être que tu pourrais faire ça ou tel. Ah, ça fait toute une différence, ça. Hein? L'extra mile. Mais là, lui, il n'avait pas demandé. Il a dit, my God, Manon, on a pensé à ça, ou Manon me rajoute ça. Je vais revenir à Manon, puis je vais aussi recommander Manon aux autres. Puis moi, l'extra mile, j'ai toujours appliqué. J'ai jamais été en retenue. Parce que, tu sais, aussi, je me dis que les gens. Ça, c'est un de mes amis qui m'avait donné cette maxime-là, puis je la répète souvent. Il m'avait dit, Manon, les gens généreux ne sont jamais perdants. C'est à donner, on reçoit. Quand tu donnes, la vie te donne. Puis ça marche. Ouais. Donc, on fait notre affaire professionnellement, mais on est généreux de nos conseils, généreux de notre temps, généreux de tout. Ça nous revient. Moi, c'est ma façon de travailler. Là. Puis est-ce que le nom te fait peur ou te fait reculer quand tu as des noms? Parce que quand on commence en business, on a des noms plus que de vie. Hein? Ah oui, il y a beaucoup de noms. C'est ça. Il y a beaucoup de noms, mais en même temps... Il y a toujours un oui, puis ce oui-là, ben, il t'encourage. Il faut que tu t'accroches au oui. Je pense que tant aussi longtemps que tu as une vision, comme tu dis, puis tu t'es convaincu, c'est ça que tu vas faire, les noms vont pas vraiment t'affecter. Tu vas continuer ton chemin. Exactement. Puis moi, j'avais une espèce d'attitude. Quand j'étais. La première chose que j'ai eue, c'est un atelier. Okay? J'avais un atelier parce qu'on fabriquait sur mesure. Au début, je vendais des décors aux restaurateurs, aux hôteliers, puis ils venaient me voir. Okay, puis il me disait, maintenant, j'aimerais ça avoir. Puis je faisais des enseignes sculptées 3D, tous des trucs très artistiques, peut-être à la main. Puis là, ben, ça marchait vraiment bien. On avait beaucoup, beaucoup de commandes. J'en avais de partout. Je te dis, là, j'ai arrêté d'affaire parce que j'ai décidé que je n'avais assez, mais ça marchait vraiment bien. Puis lui, c'était très créatif. Quand il venait un client, les gens qui venaient me voir, c'est parce qu'ils voulaient, je le sentais, puis ils voulaient vraiment. Il me disait, Manon, j'aimerais vraiment que tu travailles sur mon projet. Puis il me parlait de leur projet avec passion. Puis il me disait, j'aimerais ça que tu y penses, qu'on irait dans cette direction-là. Donc je faisais ça avec eux, puis j'apportais ce qu'ils voulaient de moi. Puis c'est comme ça que j'aimais travailler. Mais occasionnellement, j'avais un homme d'affaires requin là, qui venait me voir, puis il me disait, moi je veux un prix, moi je veux un prix, moi je veux un prix. Ouais, mais moi c'est le prix. Moi. Je disais, je restais calme, je disais, je comprends bien ce que vous dites, mais moi, par exemple, ce que je vends, c'est une question de réflexion, il y a beaucoup de temps de finition, il y a beaucoup de travail. Fait que je peux vous donner un prix, mais peut-être que ça ne vous conviendra pas parce que je vais mettre 100 heures sur le projet plutôt que 15 ou 20 si vous allez dans un autre type de projet avec un autre type de fabricant. Donc, moi, ce que je vends, c'est ce que je vous offre. Puis, sais-tu quoi? Il disait, oui, OK, je vais y aller avec toi. Si j'en perdais un de temps en temps, c'était très rare, mais vous pouvez penser, mais j'étais pas négociable, ni j'avais pas de problème à exprimer calmement que je comprends qu'il voulait un prix, mais notre prix était juste par rapport au nombre d'heures qu'on y mettait. C'était juste de l'expliquer. Mm-hmm. Puis ça passait très bien, fait que je me laissais pas déstabiliser par ça. Ouais. Tes décisions, en principe, tu les prends, tu suis vraiment ton instinct. Est-ce que c'est vraiment émotion ou est-ce que tu réfléchis beaucoup avant de prendre des décisions? À chaque fois, je suis très émotive, mais tu sais, je suis sensible. Puis à chaque fois, puis ça, je suis certaine que c'est pareil pour vous, là. À chaque fois que j'ai pas écouté mon feeling, je l'ai regretté. Tu dois te le dire. C'est ce que Joanne disait tantôt. Des fois, la même affaire, hein? Ouais. Je disais, tu sais, des fois, j'ai OK, ça me tente pas, mais gentille quand même, cette personne-là. Mais il me semble que ça marche pas. Mais OK, je vais le faire pareil. Écoute, c'est pas arrivé souvent, mais à chaque fois, je me dis, Manon, t'aurais dû t'écouter. Je m'écoute, mais de temps en temps, non. Parce que de temps en temps, mon cœur. C'est difficile de s'écouter. Oui, de temps en temps, je vais écouter mon cœur aussi, puis je vais dire, cette personne-là, il me semble que ça rendrait service. Le problème. À chaque fois. Donc maintenant, j'essaie. Non, on a s'écouter. Là. Oui, j'essaie. Encore là, justement, c'est l'occasion de. Quand on le sent pas tout à fait, de prendre un petit peu de recul. C'est comme la nouvelle idée, le nouveau déménagement. Ouais. Tout ce qui nous passe par la tête, des fois, on a des états d'âme qui fait qu'on a le goût de faire des choses que le lendemain, on se dirait, mais à quoi j'ai pensé? T'sais. Fait que je me dis toujours, étant donné, protège-toi de toi-même. T'sais, oui, en principe, j'ai pas assez comme je. Je prends pas de temps pour. Si je trouve quelque chose que je suis 100% certaine, j'y vais, mais si c'est nouveau, ou si j'ai un doute, j'essaie d'y penser, au moins jusqu'au lendemain, au minimum. Ça arrive. Est-ce qu'il y a quelques mythes
dans ton métier que tu aimerais défaire, là, comme vraiment, on entend souvent, on t'entend souvent, et tu veux vraiment défaire ça. Mais en fait, la seule affaire que je pourrais dire, c'est qu'il y a un mythe, vis-à-vis de moi, là, les gens vont penser que moi, je veux tout parfait. Les gens vont penser que chez moi, c'est parfait, que tout est placé, que tout doit être placé. Oui, en te regardant, on a cette impression. Hein? C'est pas ça. C'est pas ça du tout, toi. Ça, c'est l'impression que je donne, mais peut-être aussi ma carrière me donne un peu cette impression-là. Mais c'est pas ça du tout. Moi, j'aime ça. J'aime les belles choses. Puis quand c'est le temps de faire des photos, des images, je comprends que je veux les placer en beauté. Mais sinon, je pense pas que les... Il y a beaucoup de timidité aussi au niveau des designers. Ils sont pas ni excessivement... organisé ou snob, parce que des fois, ça donne une impression aussi d'avoir peur de parler à un designer pour pas se faire juger, par exemple. Oui, oui. Ah, oh, je veux pas que tu viennes chez moi parce que c'est pas beau. Je me laisse faire. Moi, je suis pas en mode de travail. Là, je m'en vais te voir chez toi. Je regarderai pas ta déco. Tu sais, donc, il y a toutes sortes de mythes peut-être qui entourent un petit peu le travail que je fais par rapport à la perfection, que ça doit être beau tout le temps, notre environnement, nous. Non, moi, c'est pas vrai. Parce que si tu viens, exemple, chez moi, oui, je vais être intimidée un peu parce que tu sais, moi, je sais que. Qui tu es, oui. C'est quoi ta. Tu vois donc, c'est sûr que. Oui, mais. Tu sais, je vais avoir un petit non, mais je comprends, c'est comme si moi je faisais à souper un chef cuisinier. Je serais là, mon Dieu, tu sais. Oui, mais oui. Mais oui. En même temps, moi, tu sais, on travaille tout le temps, OK? Mm-hmm. On travaille beaucoup. Donc, des fois, quand on met notre cerveau à off parce qu'on s'en va souper avec des amis, chez les amis, ben, il n'y a pas de question de. Justement, je ne veux même pas y penser. Je veux me reposer. La seule chose, par contre, si je voyage, par exemple, quand je voyage, j'aime ça être dans des beaux endroits. Je ne veux pas dire nécessairement un hôtel 5 étoiles, mais un bel hôtel ou un bel environnement de paysage. Tu sais, j'aime autant, tu sais, l'été passé, je suis allée à Vancouver en camper, puis j'ai capoté sur les paysages et tout. J'ai trouvé ça tellement beau. Donc, quelle belle expérience. Oh, quelle belle expérience. C'est sûr que j'aime faire des belles, qui font plaisir à mes yeux, mais sinon, non, c'est assez relax. Et est-ce que tu lis? Tu aimes la lecture? Oui. En fait, je t'accorde que je lis moins que je lisais. Mm-hmm. J'ai lu beaucoup, beaucoup toute ma vie. Je me suis mis là à plus... À cause de mon travail, je lis, mais beaucoup sur le design. OK. C'est ça que je m'en allais dire. Qu'est-ce ouais, que donc, tu mais lis? C'est très en image. Mm-hmm. Tu comprends? Parce que si je lis sur le design, je suis... Tous les soirs, je fais ça. Mais qu'est-ce que c'est lire sur le design? C'est voir des images, oui. Voir le travail des autres. Donc, ma lecture est pas mal visuelle, mais je le fais tous les jours. Mais tu sais, c'est vrai, je regarde tout le temps ce qui se passe. Quels sont les bons... J'adore le talent des autres. Mm-hmm. Donc, je regarde les bons designers. Je regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis ça me fatigue pas du tout. Fait que moi, c'est là, je dis, c'est quoi l'historique de ce designer-là? D'où il vient? Mais tu sais, c'est professionnellement... C'est de la richesse, là, de savoir aussi leur background. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les artistes peintres aussi. Tu sais, mais c'est sûr que ça tourne toujours pas mal autour de l'art. Et c'est plus visuel que de la lecture. C'est sûr que c'est toujours documenté, mais pas autant que la lecture comme telle. Donc, tu es plus visuel. Oui, beaucoup plus visuel. C'est ça. Okay. Donc, tes lectures se limitent à la décoration. Maintenant. Okay. Maintenant. Parce que je suis vraiment passionnée. Hein? Oui, c'est fou, ça paraît. Là, je... Ouais. Je fais ça, là, je vois. Je vous dis, je vois. C'est tellement agréable d'être passionnée par non, ça. Non, mais c'est fou. Je vais en voyage, je regarde. Je rentre dans les hôtels juste pour voir. Je vais dans un beau restaurant juste pour voir. Je rentre, là, en marchant. Tu sais, je vois pas. Je regarde l'architecture. Je suis fascinée par ça. La beauté des paysages, bien sûr. Donc, je ne fais pas exprès. C'est comme ça. Donc, tu ne regrettes pas d'être dans ce métier-là? Tu n'as pas en tête quelque chose que j'aurais dû ou j'aurais pu faire autre chose? C'est vraiment ça, c'est ancré en toi, là, puis on le sent, là, mais en fait, on sent ta passion. Je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup dans ma vie parce que ça m'a... J'ai eu la chance d'avoir ça, de trouver ça quand j'étais jeune, tu sais, parce que la passion des arts, en tout cas, on va dire en général, là, puis après, ça s'est dirigé, c'est devenu toutes sortes de choses, mais parce que ça m'a tenue, j'ai toujours dit, comme étant... quand même très active, ça m'a tenue occupée, ça m'a créativement occupée, ça m'a fascinée. Puis je pense qu'à cause de ça, j'ai su peut-être pas prendre les choses à la lettre tout le temps. Ça m'a enlevé l'esprit sur peut-être, je sais pas, j'ai toujours dit que, par exemple, j'étais monoparentale. C'était beaucoup de travail d'être monoparentale, mais j'étais contente de mes journées, c'était créatif, mes enfants venaient à l'atelier, le soir on se pensait, mais tu sais,
ça m'a dit, je me suis toujours dit, mon Dieu, ça me tient équilibré. Mm-hmm. Le fait d'être dans quelque chose que j'aime, puis d'avoir une espèce de satisfaction, moi, ça m'a tenu le cerveau occupé de belles choses, de, en tout cas, en gros, de bonnes choses. Puis ça a enlevé les tu sais, des fois, les trucs quand on a trop de temps pour penser, oui. Je pense oui. que c'est bien de... Mm-hmm. Puis j'ai toujours dit à mes amis, si vous avez pas eu la chance de justement, comme moi, trouver votre passion, mais tu sais, par exemple, j'ai une amie qui adore les cheveux, tu sais, elle changeait toujours sa couleur de cheveux puis sa coupe. Elle travaillait en télécommunication, elle vendait de la pub. Mais j'ai dit, puis je sais qu'elle s'ennuyait au travail, mais je disais, pourquoi t'essayes pas de trouver ta prochaine carrière, la prochaine chose que tu vas faire, parce qu'à un point, à chercher un nouvel emploi, va dans le domaine qui te passionne dans ton hobby. Mm-hmm. Toi, c'est les cheveux, c'est peut-être pas un hobby, mais toi, c'est les cheveux. D'autres, ça va être le sport. Essaye de travailler pour une compagnie capillaire. Tu sais, essaye d'aller dans un domaine qui t'intéresse vraiment. Un autre, c'est le maquillage, ou c'est la mode. Essaye de travailler dans la mode, que ça serait n'importe quoi relié à la mode. Tu vas être dans le domaine que t'aimes. Puis ça, ben, ça va faire tout un changement dans ta vie. Oui, ça devient sa passion au lieu que ça soit un travail. Oui, c'est ça. C'est agréable. Mais là, c'est les deux. Là. Donc, même si tu n'as peut-être pas trouvé ton talent en 5 ans, tu peux toujours travailler dans ta passion. Mais oui. Comme toi, tu fais. Oui, oui, oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent en ce moment? Une personne ou deux? Oh mon Dieu, ben oui, il y a beaucoup de monde qui m'inspire. En fait, j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui sont très créatives et puis qui vont au bout de leurs rêves. Là. Pour le design intérieur, il y a un gars qui s'appelle Zubulon Perron. Je ne sais pas si tu Zubulon, le connais. Ça me dit quelque chose, mais non, je ne connais pas. Oui, lui, là, il m'inspire beaucoup au niveau de son art. Là. Je le trouve super créatif. Il fait des restaurants. Il faut que je le tourne. Là. J'ai juste... Il y a Zubulon, je te dirais, au niveau créatif, je trouve qu'il est vraiment... Ah, Dick Walsh. Ça, c'était mon idole. Dick Walsh m'a vraiment inspirée. Je peux peut-être le nommer plus Dick parce que je l'ai mm-hmm. j'ai eu la chance de le rencontrer, puis c'était mon idole quand j'étais petite. Puis lui, je voyais ses choses. Ouais, il y a Dick. Il y a des gens que je trouve qui font des choses incroyables. Là. Tu sais, comme il y a des grandes têtes comme tu sais, Richard Branson, là, tu sais, l'homme d'affaires. Bon, mais lui, je le trouve inspirant parce que je trouve qu'il va au bout de ses rêves. Il tripe, il fait du sport extrême. Il a l'air à vivre sa famille, il y a une maison aux îles Vierges, puis il y a pas de limite. Puis en même temps, je le vois nu-pied avec ses cheveux longs, je le trouve trippant. Fait que pour moi, il m'inspire parce qu'il est un peu pas coincé, mm-hmm. mais il va au bout des choses. Ouais. Puis il a l'air près des gens. Fait que lui, il m'inspire beaucoup. Puis quand j'étais plus petite, il y avait Dick Walsh, qui est un. Lui, c'est un gars qui faisait de l'étalage. Okay? Puis moi, je venais des Laurentides, j'allais à Montréal, puis je voyais les vitrines chez Eaton, chez Labbé. Fabuleuse, hyper créative. Puis on me disait, je sais qui fait ça. Puis il me disait, il s'appelle Dick Walsh. Là, moi, j'avais une admiration incroyable. Puis ce gars-là est devenu incroyable. Il est parti à New York, il s'est mis à organiser des fêtes pour Avalon, pour tout le monde. Tellement créative, là, les fêtes, les événements les plus fabuleux. Puis un jour, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Montréal. Mais beaucoup plus tard, lui me connaissait parce qu'il m'avait vu à la télé. Et moi, j'ai dit, tu comprends pas. C'était mon première idole. Wow. J'étais petite, j'allais à Montréal avec ma mère, je regardais ce que tu faisais, j'étais... Tu sais, il était pas connu, il était connu juste dans le milieu artistique, ouais, mais pas du public. Mais pour moi, c'est mon première idole, puis j'ai eu la chance de le connaître, même de devenir amicale avec lui. Fait que je peux dire qu'il m'inspirait parce que même une fois, je suis allée au St. James dans un party d'Halloween, OK? J'avais jamais vu un décor aussi fou puis aussi créatif que celui que Dick avait fait, mais c'est comme ça. Donc, on le vu à télé aussi, il est devenu juge, on est dans des concours de mode puis tout ça, mais... Il est devenu plus connu aux médias au Québec. La femme qui a un projet, qui a une idée en tête et oui. qui n'ose pas, par peur d'être jugée, par peur d'être critiquée, par peur d'être échouée. Oui. D'échouer. Qu'est-ce que Manon peut dire à ces femmes-là pour les aider, tu sais, à pousser? Moi-même, j'avais des peurs, tu sais, oui. puis j'en ai pas des décisions. Moi, si j'ai reçu un conseil, qui avait du sens, c'était de faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires? Oui, parce que le plan d'affaires, on peut même trouver sur le web, c'est quoi un plan d'affaires. Un plan d'affaires va nous forcer à écrire notre projet, mais il va aussi nous forcer à le mettre, à le ventiler. Par exemple, je dis, moi, je veux vendre des tubes d'hiver. Mais combien il faut que j'en vende? Combien est-ce qu'ils vont me coûter? C'est quoi? Au bout de la ligne, ils vont m'apporter quoi? C'est quoi mes objectifs de vente si je vais arriver au bout de l'année? C'est quoi mon budget? En faisant un plan d'affaires, on réalise rapidement vis-à-vis de notre projet. Puis, de toute façon, on ne peut pas faire un projet sans le faire. Mm-hmm. La banque ne nous supportera pas parce qu'on n'est pas sérieux. On a une idée, mais on n'a pas de plan d'affaires.
Donc, pas de plan d'affaires, ça veut dire pour les banques qu'on n'est pas sérieux. Donc, on a... Bien, pour, ils ne vont pas nous financer si on n'a pas démontré que c'est un bon produit. Ouais. Donc, ben, l'exercice est bon pour nous aussi, parce que ça va nous obliger à nous dire, OK, comment je vois mon produit, à qui il s'adresse, et quels sont mes réseaux de vente. Disons que tu dis, moi, j'ouvre une boutique en ligne. Je veux vendre du maquillage en ligne. OK? Bon, là, c'est qui sont tes fournisseurs? Tu sais, tu vas être obligé d'aller chercher. Puis là, tu es obligé de savoir le prix, puis combien tu peux leur vendre. Tu te dis, OK, je peux faire 10$ de profit par produit. Il faut que j'en vende combien? Mais ça me coûte. Parce que parallèlement, tu es obligé de faire un petit peu des états des dépenses. Mm-hmm. Puis tout de suite, je te dis que ça va pas bien se régler. Oui. Dans le sens que ça veut dire, ben ça peut être vraiment intéressant. Ou, oups, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il faut que je vende beaucoup. Le plan d'affaires, c'est le départ d'une entreprise. En tout cas, c'est bien nécessaire. Puis c'est un exercice qui est bon pour nous aussi, je trouve. Oui. Donc, ce serait, tu sais, c'est, oui, mais ça, c'est un bon point de pouvoir préparer un plan d'affaires. Souvent, on part comme ça, son plan. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. On se rend compte qu'on vend notre produit en bas du prix nécessaire ou que on n'arrive pas. On peut faire des gros chiffres d'affaires pour faire de profit. Puis on ne sait pas où on s'en va, c'est ça, non. Ça le problème. Non, c'est parce que le fun avec un plan d'affaires, là, après, tu peux aller voir un comptable, il va t'aider à le finaliser. Puis lui, il va le ventiler. Ça prend un comptable à un point. Si on fait notre gros, après ça, on va voir quelqu'un, on dit, ben moi, j'ai un plan d'affaires, peux-tu m'aider à le ventiler? Parce que lui, il va prendre tes dépenses annuelles, puis il va les ventiler. Puis, bref, ton équipement aussi, il va le ventiler. Et là, après ça, tu peux te dire, bon, ben mon plan a du sens. Tu sais, mon plan est viable. En voyant un plan d'affaires, des fois, tu vas souvent dire, non, peut-être pas la meilleure idée. Mm-hmm. Donc, je pense que ça, c'est un exercice nécessaire pour nous, au départ. Et ça t'arrive de voir aussi les femmes qui essayent de travailler un projet mais que ça ne marche pas. Et puis on essaye, puis on voit que les gens avancent, les gens font la même chose mais avancent plus que nous. Et on croit à notre projet mais ça n'avance pas comme qu'on veut. Ben, des fois, c'est de l'entourage aussi. Parce que par exemple, nous, on peut être très fort en idée, mais on n'a peut-être pas le sens. De la vente, de l'organisation, tu sais. Donc, aller chercher de l'aide, donc. Oui, c'est ça, c'est d'aller chercher de l'aide meilleure que nous. Tu sais, il faut s'entourer de gens meilleurs que nous. Nous, on peut être très forts, mais on ne demande pas aux gens d'être très forts dans notre domaine. Mm-hmm. Il faut absolument s'entourer. C'est ça qui est la clé. Et si on est entouré correctement, on va avoir un succès. Si on est entouré de gens moins bons que nous, puis nous, ils sont à notre morgue tout le temps, on va s'épuiser, puis on n'arrivera pas. Donc, moi, j'ai une bonne idée, je suis créative. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour organiser mes ventes, j'ai besoin de quelqu'un pour voir mes dépenses. Tu sais, tantôt, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut dire que tes deux conseils, c'est plan d'affaires et être bien entouré. Oui, ça peut aider. C'est la clé. Parce que c'est assez rare de trouver quelqu'un qui a tous les talents. Mm-hmm. Non, c'est donc, sûr. Il faut juste comme apprendre que nous, notre talent, il est exceptionnel, on l'a, il nous appartient, mais on n'a peut-être pas. Il faut avoir l'humilité aussi d'admettre qu'on n'est peut-être pas les meilleurs dans d'autres domaines. Connexes mm-hmm. qui vont apporter des ventes ou d'autres choses, alors il faut aller chercher des gens. Mais si on explique bien notre projet, puis si on a fait notre plan d'affaires, tu sais, notre plan d'affaires, nous aide aussi à nous croire. Oui, parce aussi... que tu le vois, c'est quelque chose de concret. Hein? Oui, si c'est écrit, si tu le vois. C'est ça. Moi-même, je n'étais pas un Manon plan d'affaires, mais j'ai appris à le faire. Dernière question, question signature G. Oui. qu'est-ce qu'on peut savoir ou connaître sur Manon qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux? En fait, la personne que tu rencontres là, que tu rencontres sur les réseaux sociaux, c'est la même que... Il n'y a pas de fausse Manon, là. Non. Es-tu vraiment gentille? Tu sais, souvent, on entend ça, les gens peut-être un peu plus... Oui. On se demande s'ils ont des façades ou des personnalités différentes, mais moi, il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être quelque chose, je ne sais pas si c'est une question qui est une réponse qui est valable, mais sinon, ben vraiment, je suis une bonne vivante. Je ne sais pas ça, si ça paraît. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais beaucoup de sport. Okay. Je fais beaucoup de sport, puis de plus en plus. Mais même, je te dirais, j'ai inclus ça dans ma vie environ 2 ans. Okay. Avant, j'en faisais toujours un peu, mais là, 4 à 5 fois semaine. Ah, c'est bien. Donc, c'est quoi, tu vas au gym ou est-ce que tu fais quelque chose? Je vais au gym. Si je ne vais pas au gym, je fais du pilates chez moi chaque matin. OK. J'ai des poids aussi chez moi. Okay. Sinon, je vais au gym.
je joue au tennis, je fais de la marche. En fait, je m'impose au moins de 4 à 5 fois semaine une activité physique. Que ce soit à juste marcher ou faire le pilates ou aller au tennis, j'adore ça l'été. Donc, je suis quand même devenue, on pourrait dire, presque sportive. Là, avant, c'était pas comme ça, mais là, je suis très heureuse d'être comme ça. Inspirant. Je suis sûre que les femmes vont s'inspirer de tes expériences, de ton vécu. Merci, merci. Et je te souhaite bon succès dans tes projets. Ah, ben c'est bon. Bonjour. Ça fait plaisir de te rencontrer. Merci.